C'est Spectrum comme ça, on se retrouve bien pour une nouvelle vidéo. Vas-y go. Salut tout le monde, c'est Spectrum, comment ça va? On se retrouve bien pour l'esplay de Pokémon Nation X Nuzlocke Miracle pour l'épisode numéro, je crois que c'est l'épisode numéro 5 du Let's Play. Et oui, dans l'épisode précédent, qu'est-ce qu'on s'est fait? Eh bien, on a rien foutu. Ah oui, et oui. Non, parce que j'avais envie de parler d'un sujet qui était le 3. Et donc, du coup, bah, j'ai parlé de le 3. C'est justement encore un nouveau style de montage parce que c'était, je parlais d'un sujet justement et après je montrais un petit peu. Pour représenter un petit peu le contenu que je disais à la voix, justement, je le mettais en vidéo. Donc ça prenait énormément de temps, hein, s'il y en a qui s'en souviennent. Hein, oui, les 2 heures, justement, de retard. Oh, mais j'ai une Pokéball. Oh, morceau étoile, ça c'est bon, ça. Ça se revend 4900 Poké-dollars. Ça, je dis oui. On va faire un petit point sur notre équipe et puis je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode. Et puis, notamment, la nouvelle règle, et bien sûr, supprimer un nouveau Pokémon, comme d'habitude, tout ça. Tu connais les bails. Donc c'est parti. Alors notre team, elle a pas changé, j'avais eu le Flabébé justement à la fin de l'épisode numéro 4, ce qui va se passer c'est que, on va regarder le sondage, hein, très important quand même de regarder le sondage, donc c'est parti, quel Pokémon va-t-on supprimer, eh bien c'est, oh bah c'est bien parce que je l'aimais pas, bah pour une fois, je suis assez content. Ah, Flabébé avec 65% des votes, hein. Au total 74%. Personne ont voté justement. Et à partir, eh bien, le deuxième qui serait potentiellement justement, eh bien, échanger un échange miracle, ça aurait été Reptincelle avec 12 votes, mais quand même 48 votes pour Flabébé. Et puis ensuite du 8%, 5%, 3, 4%. Donc franchement, eh bien, franchement, je suis assez content que vous n'aimez pas Flabébé. Comme ça, j'ai pas besoin d'XP. Bon, c'est quand même une bonne chose. C'est quand même une bonne chose. Hein. Donc du coup, au programme de cet épisode, on va regarder un petit peu la map. Très important parce que. Il faut juste que je trouve un stylet pour ça, il y a un stylet juste là. On va regarder un truc. Donc comme j'ai dit, ouais, l'épisode justement en question était plutôt lent au niveau des séquences que j'ai choisies, mais en même temps je parlais vraiment d'un sujet vraiment qui me tenait à cœur justement au niveau de l'E3. Donc c'est un peu pour ça justement qu'il était un peu long. Je crois qu'il a fait 34 minutes, un truc comme ça. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu long. Donc en fait, je sais pas si vous voyez avec la souris là, enfin avec le style là, justement avec la petite flèche, le curseur. Vous voyez le curseur là, le curseur. Voilà, il est là. Et donc du coup, on va essayer d'arriver à ici. Donc je sais pas si c'est considéré comme une ville, donc ça s'appelle comment? Palais Shadow. D'accord, donc je sais pas si c'est considéré comme une ville. On va essayer d'aller ici ou aller jusqu'ici, donc à la cave connecteur. Mais ça c'est pas une ville, donc du coup, bah Redifact le haut serait justement une ville. Ou alors c'est Roche sur Glyph, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a un... Ah non, attends, je sais plus. Vraiment, on passe par ici, après on passe par là, oh, je sais plus. Oh, je me rappelle plus du jeu en même temps, bon ça fait longtemps, hein, tu connais. Donc du coup, au programme de cet épisode, on va essayer d'aller au palais chef-d'œuvre sauver, je me rappelle, le Quaffarel, parce qu'il y a un Ronflex qui nous bouche le chemin, donc du coup, bah ça m'embête un peu, donc du coup, ça fait une idée, bon, ça sert à rien, ça sert à rien. Du coup, on est parti par là, tac. Attends, est-ce que mes Pokémon sont soignés? Oui, mes Pokémon sont soignés, bon ça va là. Ça va. En tout cas, vous avez très nombreux, en tout cas, à regarder l'épisode, liker, commenter, partager, etc. Ben, merci beaucoup, surtout au niveau des partages sur Twitter. Franchement, merci beaucoup, les amis. Ça fait plaisir. Donc, ah, peut-être fallait parler à lui, non? Un jus de baie, ouais, si tu veux, tu me donnes du jus de baie. Ouais. Je sais pas à quoi ça sert. Sûrement pour soigner ses Pokémon. Alors, attends. Là, c'est la route 7. Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce qu'attends, faut passer par où, là? Faut passer dans... En haut, à gauche, à droite? Attends. Parce que le Ronflex, il est où? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Ah, c'est pour les plantes, ah non, on s'en fout. On s'en fout en fait, voilà, c'est ça, oui. Ouais, oui, les beurrants, ça peut être utile, hein, ça peut être utile. Donc du coup, il y a eu pas mal de règles qui ont été énoncées, eh bien, dans les commentaires, et franchement, il y en a vraiment des très intéressantes, non, notamment ne pas se soigner à base de baies, notamment ne pas switch de Pokémon pendant toute la durée d'un épisode, jouer la 3DS à l'envers pendant un épisode, donc je sais pas si ce serait possible, pourquoi pas tenter, ça peut être vraiment très drôle, mais peut-être, franchement, je vais peut-être pas avancer du tout, mais ça va pas être cette règle que je vais choisir. Je vais vous la dire un petit peu plus tard quand on va avancer un peu plus sur le jeu. Ouais, bon, ça c'est les baies pour cultiver des baies. Non, mais moi je cultive pas, moi. Moi je les prends, tu sais, je les utilise, mais non, je cultive pas derrière, moi. Je suis pas comme ça. Ah, voilà, c'est ça le Ronflex, d'accord. C'est ça le Ronflex. Donc, du coup, voilà, il faut trouver un stratagème. Genre, je sais plus s'il y avait une histoire de Pokéflute ou une connerie du genre.
Ouais, c'est ça, c'est une Poké-Flûte qu'il faut. Un peu justement, bah, à l'époque de Kanto. Ah là là. Et donc il fallait au palais chef-d'œuvre justement pour eh bien se permettre de débloquer eh bien ce Ronflex. Je crois qu'on peut même le taper dessus ou le capturer, donc comme ça nous fera un petit peu d'XP. Ça peut être vachement intéressant quand même. Et donc du coup j'espère qu'on va faire un épisode pas trop long, pas faire 34 minutes, mais. Ah ouais, je me rappelais plus de ça. C'est un dresseur ça? T'es un dresseur toi? Non, t'es pas un dresseur. Ah, très bien. Moi du coup, je vais vous dire la règle. Et après on va passer à la prochaine séquence, venez voir. Alors, du coup. Il faut que je retrouve la règle. Alors, da-da-da-da-da-da-da-da. Ah voilà, putain, Jumpspin qui a trouvé une règle vraiment, vraiment, vraiment sympa. Cette règle, oh non, tes Pokémon prennent des vacances pour un épisode. Les trois Pokémon en dernière place dans ton équipe doivent être dans ton PC et donc inutilisables. Donc, utiliser donc les trois premiers Pokémon, eh bien, dans notre team. On pourra pas choisir d'autres Pokémon. Ils sont de retour dans l'épisode suivant. Souhaitons de bonnes vacances à ces petits. Mais pourquoi pas? Je valide cette règle. Je vais juste faire eh bien, quelques petits trucs et on revient juste après. À tout de suite. J'ai reçu quelque chose. Un choc au cœur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là par contre je ne connaissais pas c'est quoi un choc au cœur. Pourquoi pas? Donc du coup j'ai pris mes trois Pokémon, hein, comme vous en doutiez. Hein? Alors jus de BC. Alors une boisson 100% pour jus de B restaure 20 PV d'un Pokémon. Ah intéressant. Et un chocolat extrêmement sucré restaure 20 pour 20 PV d'un Pokémon. Mais en fait c'est un peu une potion en fin de compte, sauf que ça s'appelle un choc au cœur. Très très bien, bah, je ne connaissais pas cet objet. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cet objet. Alors, moi, on va y aller dans la poubelle, quand même très important de regarder dans les poubelles. Mais il n'y a rien. Ah, une corde sortie, je dis pas non. Je suis dans le palais là, je suis dans le palais, c'est plutôt pas mal. Il y a des choses vachement sympathiques. Je suis en train de fouiller un petit peu partout parce que bon, c'est un petit peu le but aussi de chercher un petit peu tous les objets qu'on peut avoir. Et ben là, il n'y a rien. Ah, une petite, c'était sympathique. Larcin, c'était 46, je dis pas non. Ah, ouais. Ouais, ça c'est bien ça. J'aime bien, j'aime bien. Et toi, tu donnes rien, toi? Ah, du coup, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah, si tu as des questions pour moi, vas-y, qu'est-ce qui t'intéresse en particulier? Ah, c'est le mec des boîtes PC. Ah, ouais, ok, ça nous explique un petit peu. Waouh, c'est quoi tout ça là? C'est un ordinateur tout en un. Mais non! On peut accéder directement à nos Pokémon sans passer par un centre Pokémon. Ah, c'est pas con ça. Pas con du tout, pas con du tout. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, du coup, eh bien, je suis armé de mes trois Pokémon. Donc par contre, je vous le dis honnêtement, je vais prendre que deux Pokémon en fait. Parce que Flabébé est que niveau 1. Et Flabébé va être supprimé. Donc bon, autant justement, eh bien, ne pas l'utiliser. Et ça fera de l'XP en plus au niveau de mes Pokémon. Un spécial plus à ma poisson, ça c'est pas ouf. Je crois que c'était ici qu'on pouvait trouver les monorpales à cette époque justement. Attends, je vais essayer de trouver une rencontre de Pokémon. Mais pourquoi je peux pas? Ah parce que je suis en roller! Ah ouais. Non, même pas. Qu'est-ce que je truc? Pourquoi je peux pas y aller? Attends, il y a des trucs qui se. Oh, il y a une CT là. Il y a une CT, je veux bien. Mais pourquoi je peux pas aller là moi? C'est vraiment bizarre. Ou alors faut avoir de la vitesse. Oh là, je comprends pas. Là. Mais il y a une CT à récupérer de toute façon. Je pense que c'est une dresseuse elle. Attends, on va faire un point déjà de la team. 13, 18. Oula, Caninos, t'es pas CHL toi. Hein. J'espère qu'on va pas trop galérer. Ah, ça fait plaisir de tourner du Pokémon X Nuzlocke Miracle. Hein, parce que c'est une fois par semaine. Et je suis assez content parce que bon, je sais que c'est qu'une fois par semaine. C'est peu, je suis d'accord, c'est peu pour vous. Mais le montage me prend énormément de temps et j'ai pas forcément le temps de tourner, sachant que je vais peut-être prendre des nouveaux créneaux au niveau de Gaming Live. On va faire une flamèche. Je vais pas me tenter justement à faire des bouts de feu et avoir des dégâts de recul à chaque fois et puis après perdre un Pokémon bêtement. Sachant qu'il me reste que deux, on va dire, parce que le troisième il va être supprimé, il va être en échange miracle. En espérant avoir un très bon Pokémon en échange miracle, et faites pas le fou, ne supprimez pas directement. Ça fait déjà deux fois que vous me l'avez fait, celle-là. C'est n'importe quoi. Je reçois un Pokémon? Oh bah non. Non, 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 il est bien trop puissant pour toi, on le dégage. C'est tellement ça avec vous. Et au début, ouais, c'était plutôt sympa, voilà. Après, vous m'avez mis des bâtons dans les roues quand même. Hein. Il y a des Pokémon, genre, espèce de petit marshmallow là. J'aurais bien voulu le garder, mais vous n'avez pas voulu. Et Flabébé, je me suis dit, bon, il est peut-être très nul, peut-être que je l'aime pas, mais l'évolution peut être intéressante.
Mais j'ai pas... Vous avez pas voulu non plus, en fait. Vous avez pas voulu, vous avez dit... Non. Ah, niveau 19. Parfait. Oui, bientôt niveau 20, hein. Roux cool, bon, on va se le faire directement avec mon petit caninos. On peut se tenter une boule de feu. Ah, il y a peut-être encore des dresseurs, on sait pas. On sait pas. D'ailleurs, je ne serai pas à la Japan Expo. Tiens, voilà, justement, je fais cette vidéo. Donc, je tourne samedi. Je tourne samedi. Et eh bien je ne serai pas à la Japan Expo parce que j'ai pas les thunes surtout. Mais jeudi vous aurez une masterclass de Jinichi Masuda justement qui va parler un petit peu de Soleil et Lune. Je vais pas en parler dans cette vidéo celle-ci parce que justement je vais réaliser une vidéo de Soleil et Lune. Enfin je vais essayer déjà de vous montrer ça pour samedi au niveau du montage. Donc j'espère que vous l'aurez samedi du Pokémon X No Zot Miracle. Et puis si j'ai le temps, je sais pas comment je vais faire parce que j'aurai pas forcément le temps. En fait là je vais tourner. Je vais convertir les vidéos en MP4, après je vais faire le montage, je repars à la maison, après je poste ça à 18h et je repars après à la suite, et après je dois faire la vidéo plus tard ou dimanche, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Sachant que j'ai repris mes lives, hein, pour ceux qui ne savent pas, sur ma chaîne perso, j'ai le score Spectrolo, eh bien je suis très content, très très content justement parce que... Eh bien je refais des lives et j'ai fait du Zelda, The Legend of Zelda, le tout premier justement sur NES. Et il est compliqué, il est très très compliqué. Ah Zigzaton, putain on va se faire pas mal d'XP. Après on va chaîner sur d'autres dresseurs justement. Et on va essayer de trouver des DCT parce que c'est vrai que Larsin, bon ça peut être intéressant mais on sait jamais, imagine vous supprimez mon Pokémon, pas celui-là mais d'autres Pokémon. Je parle en globalité. Après, ça risque d'être compliqué, parce que si j'ai pas de CT, ou je les utilise trop souvent, et puis après, ben... Ah non, attends, les CT sont infinis. Attends. Les CT sont infinis. Oh là, le mec, il voulait me faire regard touchant, il voulait me toucher, le Zigzaton, mais il est fou. Il est fou, le Zigzaton. Il me touche pas. Tarsal, non, c'est pas une grosse menace en soi, pour le moment. Quoi qu'il est niveau 11, hein. Il est niveau 11, tout de même, hein. Je vais finir ma chouille. Oh, ça tue pas! Je vais refaire ma chouille. Ne miss pas. Oh putain, il miss. Ah, il baisse mon attaque! Oh là là, ça le prive. Allez, faut que je t'attaque! Merci. Il était temps quand même. Oui, gru. Ouais, moi aussi, je peux faire gru. Gloopty. Ah, Gloopty. Ah, attends, il peut m'empoisonner. Bon, je pense pas qu'il a Bomber qu'à ce niveau-là, faut pas déconner. Quoi? Ah ouais, c'est vrai. Je switch, parce que là, ça va être compliqué. Il va m'endormir au prochain tour. Je crois pas que j'ai d'objet pour me réveiller avec le réveil, donc... Oh là là! Mais il me toxique, il me gaze, ce Pokémon. Saloperie. Oh, il est presque mort. Ça va, tu fais zéro dégâts? Ouais, j'ai pas compris, il y a eu un bug ou comment ça se passe? Les crasse-face, il a mis tellement longtemps. Ah, voilà, parfait. Oui, glou-glou. Glou-glou-glou, moi aussi, je peux faire glou-glou. Ah, niveau 15. Ça y est, il commence à level up un petit peu. Ça fait plaisir. En fait, c'est pas plus mal, en fait, d'utiliser cette règle, d'avoir choisi cette règle, parce qu'en fait, mes Pokémon seront un peu plus HL que les autres Pokémon, au final. Donc, ça va être assez intéressant. Et je crois qu'on arrive direct au Palais Shadow. Oh, pop, c'est trop joli, oh là 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 là. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'échange miracle, maintenant. Ah ouais, en fait, je pense que c'est considéré comme une ville, du coup on va faire l'échange miracle, et comme ça, eh bien, on aura, eh bien, ce troisième Pokémon, peut-être qu'il sera bien, peut-être qu'il sera pas bien, on sait pas. Ah, je suis tout excité. Je veux savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme Pokémon. C'est toujours ça à chaque fois quand je tourne un épisode, je suis tellement hypé parce que je sais justement que je vais avoir un nouveau Pokémon, c'est comme des cartes Pokémon, c'est est-ce que je vais avoir une full art, est-ce que je vais avoir une peu commune. Ah tu vois, ça c'est cool ça c'est vraiment cool. Donc du coup, adieu Flabébé, personne t'aimait. Même les viewers ne t'aimaient pas, hein. Ils ont même pas voulu te mettre dans la team. Oh oui, Mangriffe. Ça peut être intéressant, faut voir après son niveau, etc. Faut voir un truc. Mangriffe, ça peut être intéressant. Il s'appelle Bianca. D'accord, pourquoi pas. Oh là là, il est tellement swag quand même, Mangriffe. Alors voyons voir un petit peu, il est niveau combien. Tu es niveau combien, mon ami? Oh, tu es niveau 19. Et t'as le même niveau, parfait. Oh bah oui, je dis oui. Enfin, faut voir après les attaques.
Bon, les attaques, c'est pas fou. Oh, il a tranche quand même, hein. Il a tranche. Oh, 54 en physique. Oh, c'est un monstre. Mais il est quoi? C'est quoi son truc? Empêche le Pokémon d'être empoisonné. What? Ça existe, ça? Sympa, sympa. Attends. Ah, d'accord, je crois qu'il a une nature docile, c'est-à-dire ça augmente rien, ça baisse rien. Ça doit être sûrement ça, parce qu'il n'y a pas de rouge et bleu. Ok, bon, on va pas l'utiliser maintenant. Alors, je vais regarder si je peux pas enlever l'empoisonnement, parce que ça peut être vraiment très très chiant par la suite. Ah, je suis content. Ah, je suis content. Antipara, antidote. Ah, j'ai un antidote. Parfait, parfait. J'espère que pas d'autres Pokémon vont être empoisonnés, sinon ça va être la merde. J'ai pas grand-chose pour me soigner, hein. Une potion... Ah, j'ai pas grand-chose, hein. Ça va être compliqué un peu, hein. On va essayer d'explorer un petit peu Caninos parce que bon, il est un petit peu... Je ne sais pas comment fait évoluer Caninos. Je crois que c'est avec une pierre feu, hein. Je crois que c'est une pierre feu. Carbosse, ça évolue, je crois, au niveau 32 ou 36. Mangriff, ça évolue pas, justement. C'est un Pokémon qui n'évolue pas. Et qui est vraiment très très rivaux, justement, avec... comment il s'appelle? Sceviper. Voilà, Sceviper. Oh, de l'huile. Ah, on aime l'huile. Bah oui. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est vraiment cool. T'es un dresseur, toi, ou pas? Non, t'es pas un dresseur, cool. Oh là là, j'ai trouvé la miniature. J'ai trouvé la miniature parfaite. Oh, je vais me mettre ici. Oh ouais, ça va être bien ça. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent? L'entrée vous coûtera 1000 Poké-Dollars. Quoi? Faut payer pour y aller? Hein, sérieux, faut payer? Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Elle écoute pas. Notre seigneur et maître, vous l'apprendrez bientôt, pense qu'on ne peut jamais avoir trop d'argent. Qui s'accroche à son argent? Autant qu'il veut, on verra si ça le rend heureux. Prenez vos 1000 Poké dollars. Putain, t'es généreuse, toi. 1000 Poké dollars pour aller dans un putain de truc? Mais j'ai obligé! En plus, c'est automatique, quoi! Je pouvais même pas dire non, c'est... T'es obligé. T'es obligé, sinon tu ne rentres pas, et du coup, t'es bloqué pendant tout le let's play. Oh, mais non, quoi. J'espère qu'il y a des choses intéressantes. J'espère qu'il y a des super bonbons planqués quelque part. Ou des CT intéressantes, genre lance-flamme et tout, tu sais. Ça serait goldé. Ah, c'est quand même joli, quand même. Ah, on peut pas aller là? Ah non, on peut pas. Ok, bon, c'est pas grave. Oh là là, c'est swag, quand même. C'est swag. Ok. Oh, c'est Majaspic, ça. Ah non, c'est Milobelus. Non, c'est ça? Si, c'est Milobelus, ça. Milobelus doré. Imagine, des cartes dorées. Tu sais, les... Comment ça s'appelle, les cartes Pokémon, là? Les XY Break, je crois, c'est un truc comme ça. Les breakers ou les breaks, je sais pas quoi. Oui, c'est la fin du monde, si tu veux. C'est un scalp... Non, c'est pas un scalp proie, c'est un... Ah, comment s'appelle lui, là? Scalp proie, scalp mi... Non. Oh, je sais plus. Le truc qui évolue en scalp proie, là... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Salut, tu me donnes un truc, toi? Ouais, tu me parles de ta vie? Quoi, pour boire? Non, jamais! Ouais, c'est ça, ouais. Non mais c'est bon, on a compris. Non, je paye pas. Attends, j'ai déjà payé 1000 Poké dollars, quoi. Faut pas déconner. Tu donnes rien non plus. Je vois. À mon avis, je vais regarder un petit peu toutes les salles. Attends, de toute façon, on peut aller directement ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que c'est? Le parc? Putain, c'est swag ça. Ah, Gringolem. Ah, et puis Batrachine, tout ça. Mais on va pas y aller pour le moment parce qu'il y a peut-être des choses en fait. Je pense qu'il y a des choses. Ah ouais, je pense qu'il y a des trucs. On va regarder par-dessus. On peut se soigner. Carrément, mais carrément, mais oui, mais oui. Elle s'incruste chez les gens, elle dort dans toutes les pièces. Pff, rien à foutre. Très bien, très bien. Il y a quoi ici? Ah, vous donnez des Pokémon, vous? Vous donnez des... des Pokémon. Vous donnez rien, vous. Il n'y a même pas des objets, etc. Non, c'est n'importe quoi, ça. C'est vrai que j'ai le cherche-objet ou pas? Je me rappelle plus. Mais attends, il y a combien d'étages? Oh, c'est joli, ça, le petit cadre, là. Attends, on va aller par ici. On observe, hein. Ça se trouve, il y a peut-être un indice de la 7G. On ne sait pas. Même si ça a déjà été dévoilé depuis pas mal de temps. Mais bon, au cas où. Le petit Maril, toi, tu me donnes un truc. Toi, c'est cramé. Ah, c'est épuisé. T'es épuisé donc tu me donnes rien, je vois. Toi tu me donnes rien toi. Non, il donne rien, c'est des radins. Salut Marie, tu me donnes un truc. Marie, t'as des Pokémon, il donne des trucs. On va essayer là. Oh!
Qu'est-ce que j'ai? Oh, pièce rune, c'est trop bien ça. Ça double l'argent gagné pendant les combats. Comme ça, on peut être riche. Bah, en fait, c'est pas mal d'avoir payé 1000 Poké-Dollars au final. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? On peut aller là. Ah, on peut se regarder dans le miroir? Je savais même pas. Attends, parce qu'il y a, il y a trop de salles là. Attends, mais je suis. Waouh, mais attends, c'est un labyrinthe ce truc! Y'a quoi là? Mais non, c'est pas par là! Non, c'est un labyrinthe! Je suis déjà passé par là! Mais. Attends, y'a un truc que je comprends pas. Ah oui, d'accord, c'était par là! Ok. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, mais c'est Richiram! Mais oui! Et puis Zekrom au loin, là, super pixelisé! Ah! Et c'est quoi ça? Mindraco? Ah, c'est des Mindraco, ouais. Ça représente quoi, là? Ça représente des silhouettes. Ça représente un sale. Attends, ça me représente un Solarok, là, non? Mais oui! C'est un Solarok, là, tout à droite, en haut à droite. Et c'est quoi ça? Un oiseau? Oh, pas mal! Eh, bon, c'est un peu pixelisé, mais c'est pas mal. Ok. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Et lui. Ok, ça marche. Et bien, en même temps, les murs de cette pièce étaient entièrement recouverts d'or et d'argent. Et de pierreries et de je ne sais pas quoi. Très bien. Ah. Ma foi, on avance bien quand même, non? On avance bien. Il se passe. Bon, je vais faire un tour derrière. Ok, à plus. Perds-toi. Reviens plus. Bon, alors. C'est bien, on est débarrassé. Putain, c'est crame. Reshiram, il est vraiment stylé. C'est un dresseur ou c'est une dresseuse elle ou pas? J'ai vu un coiffeur elle cou. Oh non, pas ça! Oh non! Oh non, me dites pas ça! Oh non, me dites pas c'est ce moment-là! Ça m'a limite traumatisé. C'est peut-être pour ça que je n'avais pas aimé Pokémon Y. Ah, on peut pas surfer ici, d'accord. C'est peut-être pour ça que je n'aimais pas Pokémon Y, parce qu'il y a un moment qui était hyper chiant dans Pokémon X et Y. Ah, c'est peut-être ça en fin de compte. Ah là là, t'es un dresseur, toi? Non. 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 Ah, une Pokéball. Ah, un rappel! Ah, c'est bien dans les Nuzlocke d'avoir des rappels. Très très intéressant. Je vais les revendre directement, ouais. Oh, elle est stylée. Il y avait une Pokéball, il me semble qu'il y a. Ah, non, c'est. Non, il y avait une CT, je crois, quelque part, mais. Ou alors, c'est pas une CT. Je sais pas. Mais je crois qu'il y avait une CT ici. Ou une CS. C'est. Parce qu'il faut coupe là. On n'a pas coupe, hein. Il me semble pas qu'on a coupe, si. Je sais plus. Mais il est où le coiffarel là? Ah! C'est le début des ennuis. Coiffe, coiffe! Oh mon Dieu. Non, ne t'enfuis pas! Miss, active-toi un peu et donne-moi un coup de main, d'accord? Oh non, pas ça! Oh non! Oh putain, ce labyrinthe de merde! Oh là là! Viens, viens, viens avec moi, viens avec moi. Attends. Ah, mais attends! Mais c'est peut-être ça que j'avais pas compris! Mais oui! Mais c'est ça en fait! Moi je veux faire waf waf. Vas-y, waf waf, va monter en haut. Oh, mais pourquoi tu vas là? Attends, on va faire un truc. Ah ouais, non. Ah putain, non. Ah non, c'est un labyrinthe. Je vais pas aimer. Putain, on dirait du professeur Layton, là. Mais est-ce qu'on peut faire ça, attends? Mais non, mais pourquoi tu vas là-haut? Je voulais aller en bas. Ah mais attends, on va le coincer. Mais en fait, non, c'est pas un labyrinthe. J'ai compris, j'ai compris. Ah ouais. Attends, attends, je vais te coincer, toi. Est-ce qu'elle peut se mettre là? Ah, tu peux pas? Bah attends, tu vas te mettre là alors. Bah oui, tu vas te mettre ici. J'espère que ça va marcher. Alors. Tac, tac, tac. Oh, il est mignon le chien-chien! Il est mignon! Et voilà! Qu'est-ce qui se passe? Ah bah ça va, c'était pas compliqué. Mais en fait, c'était pas compliqué. J'avais galéré pour rien dans mon let's play. Hein. Pas trop tôt. On l'a enfin eu. Ah oh, bah, c'était un peu long quand même. Hein. Miss, nous sommes exceptionnels. C'est bien parce que nous comprenons les Pokémon qu'on a réussi à feinter ce Coiffarel. Ah bah c'est lui qui donne coupe alors.
mon coiffeuret, mon petit trésor poilu. Oh, je me suis fait des cheveux blancs à cause de toi. Ce retrouvaille échevelé serait-elle due à vos soins? J'en suis tout ébouriffé, que dis-je, c'est décoiffant. Ah ouais, c'est coiffarelle. De telles retrouvailles méritent un feu d'artifice. À vous de faire dresser les cheveux sur la tête, ne coupons pas les cheveux en quatre. Ce feu d'artifice, preuve de mon amour pour coiffarelle, sera grandiose. Comme vous n'avez pas de poils dans la main et que vous avez retrouvé mon coiffarelle, ces festivités vous serviront ainsi de récompense. Il vous suffira de vous rendre au balcon. On l'atteint par le haut, le miroir du premier étage. Ah bah très bien! Tiens, on avance dans le jeu, quoi! Je me demande si on a bien fait de retrouver ce coiffarel. Mais oui, t'inquiète pas. Si j'étais un Pokémon, je n'aimerais pas avoir un dresseur pareil. Bah, on a le droit de voir un feu d'artifice, déjà, c'est déjà bien. Elle est chiante. Je savais qu'il fallait bien fouiller. J'ai eu coupe. Et j'ai une super potion aussi que je vais peut-être pas montrer, mais bon, c'est une super potion. Hein. Bah c'était... Alors attends, la super potion était, je crois, à peu près ici. Voilà. Ok, bah vaut mieux justement, eh bien, un peu chercher partout. Faut observer, observons, hein, sinon c'est compliqué. Ok, bah, ça va. On est plutôt content. On est plutôt content. Et comment je me barre de cet endroit maintenant? Ah bah attends. Voilà, nickel. Parfait. Et on y va, et c'est parti, rendez-vous au balcon. J'ai du montage. Salut toi. Ah, parce qu'il fallait marcher et tout, donc j'avais pas envie de vous montrer la longue marche. Oh my god, des nuages. Je ne sais pas trop comment te le dire, mais j'aimerais vraiment qu'on devienne de bonnes amies. C'est mignon, une amitié secrète. Oh, c'est beau. Des mini Draco. Est-ce qu'on va voir vraiment la silhouette de Zekrom et Reshiram? Je ne pense pas. Et moi, je suis sûr que ce feu d'artifice va vous laisser des souvenirs inoubliables. Parce qu'on l'aura regardé ensemble. C'est mignon. On va regarder un feu d'artifice. Oh, on peut mettre ça en miniature. Enfin, peut-être pas ça, mais vous avez compris. Massacre de cinématique. Ah, pourquoi pas mettre ça en miniature? Je sais pas, je verrai. C'était... Je ne trouve pas de mots à part génial. J'oublierai jamais ce moment qu'on a passé ensemble. Un feu d'artifice au poil pour mon amour poilu. Oh, oh, oh. J'imagine que vous êtes satisfaite. Oui. En fait... Et la Oh, la Pokéflûte, je l'avais oublié. C'est ça, il nous faut la flûte pour réveiller un gros patapouf de Ronflex. Ils l'ont pas, la Pokéflûte? Au travail. Ah, ils l'ont, bah voilà, on est bien. Il s'agissait du trésor du fort de Vanitas que j'ai accepté en paiement d'une dette. Inutile de couper les chevaux en... Putain, mais pourquoi je dis les chevaux, quoi? Les cheveux en quatre, bordel! Nous ne risquons rien pas de bien nous entendre, un pauvre... Comme son ex-propriétaire et moi. Putain, mais je bégaye de ouf là. En même temps, je suis pas réveillé, tu sais. J'arrive, je me lève, je prends mon petit déj, je dis on va tourner du Pokémon X, Noblock Miracle, ouais. En mode, je suis pas réveillé, j'ai mon œil totalement éclaté. Je sais pas si vous voyez, mais il est complètement éclaté. Il est tout rouge comme ça. Là. Je sais pas pourquoi. Il y en a un qui a pas envie de se réveiller, c'est fou. Ah, la Pokéflûte. Parfait. J'ai reçu la Pokéflûte. Ah, je suis content. La Pokéflûte, là, je suis assez content, parce que là, on avance vraiment bien dans le scénario, et on va enchaîner les badges petit à petit, en fait. C'est à partir de ce moment-là que entre le premier et le deuxième badge, c'est vraiment un parcours du combattant qui est vraiment assez long, et là, on est vraiment content maintenant d'avancer, et les épisodes seront, après, plus rythmés au niveau des badges, en fait. Parce que, justement, il y a moins de choses à faire entre-temps, t'as juste quelques 2-3 petites routes, et après, t'as la ville et le badge, tu vois. Oh, abri, cool. Et franchement, ça va être vachement sympa, quoi. On va enchaîner et on va avoir la fin du défi. Et j'espère que bah, mes Pokémon sont assez HL. Parce que là, je sais pas si c'est assez en fin de compte. Mais ça fait longtemps, en fait, que je tourne. Mais c'est un... Je sais pas comment dire, mais c'est rapide, en fait. C'est très rapide. Vous, ça sera rythmé, dynamique et tout. Mais pour moi, ça fait presque une heure que je tourne. Et je comprends pas, en fait. Je me dis, putain, mais je prends du temps et tout. Et je me dis, ouais, ça fait, allez, 15-20 minutes que je tourne. Mais non, ça fait une heure. Ça fait une heure, quoi. C'est ouf, hein. C'est vraiment fou.
Je suis choqué, il y a des moments, je suis choqué, je dis bon bah là ça fait 20-30 minutes, non ça fait 1 heure, 1 heure 30. C'est n'importe quoi. Ah oui, la semaine prochaine, vous allez avoir du The Legend of Zelda Twilight Princess, le dernier épisode justement. Donc ça sera la semaine prochaine. Donc si vous suivez, donc je la sors samedi, donc ouais, vous l'aurez donc à partir de lundi, mardi, on va dire. Est-ce une c'était ça ou pas? Et on dirait il y a un truc. On dirait il y a un truc. Et les épisodes d'Inazuma vont se continuer justement, plus en live, mais en vidéo. Je l'avais dit dans une vidéo, mais je préfère le redire au cas où pour ceux qui ne le savent pas. Alors par contre, je peux pas faire un let's play dynamique rythmé en mode Inazuma Eleven. Ah merde, c'est un dresseur! Oh non, il est sérieux! Mais je crois que c'est une Pokéball, enfin une Pokéball dorée, tu vois. Oh là là. Donc oui, je disais donc Inazuma Eleven, etc. Je peux pas le faire en mode rythmé dynamique, un peu à la Rick Snozok Miracle, parce qu'il y a toute une partie scénaristique que dans Pokémon on n'a pas vraiment énormément de scénarios en soi. Donc ça, je peux passer des moments un petit peu chiants, etc. Et je vais pas passer notamment les dialogues parce que c'est quand même assez important pour comprendre un petit peu l'histoire aussi. Le but aussi, c'est de comprendre aussi l'histoire et de s'amuser justement avec un let's play rythmé dynamique. Mais le problème, c'est qu'Inazuma, ça parle vraiment beaucoup. Et peut-être qu'il y a des moments, justement, je pourrais justement prendre des séquences où vraiment on fait rien du tout dessus. Et donc, du coup, au lieu de marcher pendant faire des allers-retours à la con, je pourrais cut. Ça peut être possible. Donc, du coup, le let's play va être un petit peu plus rapide à terminer. On enchaînera sur un prochain jeu Inazuma et peut-être Go Galaxy. Ça peut être vraiment cool. Mais moi je veux juste retrouver une CT. Ça peut être vraiment sympa. Je veux une CT à la fin de cet épisode. Ouais. Je veux une CT. J'ai vu une CT. Je veux la récupérer. J'essaie de regarder des choses hors vidéo, de prendre certaines séquences vraiment très rapidement, peut-être pour vous montrer un maximum de choses. Mais là, je pense qu'on a très très bien avancé sur le scénario et on va arriver directement bientôt au deuxième badge. Donc je crois c'est Reliefaclo ou Roche sur Glyph. Roche sur Glyph, on pourrait avoir un fossile, mais le truc c'est que le fossile en soi, bah il va servir à rien parce que on ne capture pas de Pokémon et on reçoit pas vraiment le Pokémon, il va être échangé en échange miracle. Donc n'hésitez pas à me dire si je prends le fossile et je l'enverrai en échange miracle, au pire des cas ça me fera un septième Pokémon, parce que là on est plutôt à 6 Pokémon en règle générale, et peut-être pourquoi pas prendre le fossile et échanger directement en échange miracle, ou bien prendre eh bien ce Pokémon et ne pas l'envoyer en échange miracle comme un Pokémon authentique justement parce qu'il a été donné. N'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Pour la suite justement du let's play. Ah, c'était un coup critique. D'accord. Je t'ai fait un coup critique, hein. Tu vas te calmer, tu m'as fait un coup critique, je t'en fais un coup critique. C'est normal. Ah ouais, non, Fouinette. Ah oui, Fouinette, là ça déconne, hein. On est au niveau 16. Ça va. Du coup, je suis assez content d'avoir un Mangrive. J'espère que je pourrai le garder. Après, je sais pas. Oh, chaque venin, putain, ça serait goldé hein, pour Mangrive. Hein. Tu vois, c'est physique, hein, chaque venin en plus. Mais je sais pas s'il peut l'apprendre. Mais je sais pas si vous êtes vraiment sadique. Donc, je sais pas. Je me tâte. Donc, dans le prochain épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va choper Ronflex, on va le détruire. Comme ça, on va gagner de l'XP. N'hésitez pas, eh bien, à choisir le prochain Pokémon qui sera supprimé, justement, eh bien, à la prochaine ville. N'hésitez pas à me le faire savoir, en tout cas, dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like, comme d'habitude, un petit commentaire, un petit partage. Ça mange pas de pain. Et en tout cas, ça me montre, justement, que vous êtes vraiment à fond dans ce Let's Play. Et je tenais à vous en remercier beaucoup, justement, que le Let's Play, bah, continue, justement, à être bien regardé. Et que ça vous fait kiffer. J'espère que le montage sera au rendez-vous, comme d'habitude. Et j'espère vous le poster à 18h. Voilà. Sur ce, merci à tous. Et n'hésitez pas, surtout, à mettre des règles dans les commentaires pour qu'ils soient peut-être choisis dans les prochains épisodes. Ne vous inquiétez pas, je note toutes les règles, même si du premier épisode à l'épisode numéro 5, etc. etc. Merci à tous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!